Alors, c'est effectivement la première réunion entre animateurs du département de l'Est, hein, puisque le territoire a été découpé très récemment. Pourquoi je suis devenu relais territorial ? Ben, parce que on me l'a proposé, hein, tout simplement, et que j'ai montré ma disponibilité. Donc, c'est Coralie, notre référente départementale, qui m'a proposé de m'occuper de ça. Ça me permet, à travers mon vécu sur mon comité de la Grande Motte, qui a fonctionné très rapidement, eh ben, d'aider par mon expérience sur le mouvement, les autres comités à se structurer et à grossir. Moi, je suis installé à La Paillade depuis quelques années dans un club de foot. Je suis dans plusieurs associations et à chaque fois, je parle de Macron. J'ai un très bon produit, Macron, donc c'est pas compliqué à vendre dans les quartiers populaires. Soyons clairs, le démarrage, c'est forcément la personnalité. C'est forcément son vécu politique. Je l'ai suivi quand il était ministre de l'économie. À la création donc, de son mouvement, j'ai senti que ce n'était pas simplement du buzz, pas simplement des coups de communication, mais que derrière ça, il y avait une vraie philosophie. Clairement, quand il propose aujourd'hui sa révolution, ce n'est pas un gros mot, c'est une vraie révolution démocratique et politique qu'il propose. Et c'est du bon sens. Et quand un homme politique propose et arrive à fédérer autour de ce programme de bon sens des gens d'horizons différents, je pense qu'il se passe vraiment quelque chose en France. Et c'est un plaisir de discuter avec des adhérents, des collègues à moi qui viennent d'horizons effectivement différents, qui peuvent venir du PS, mais aussi des Républicains. J'étais agréablement surprise. J'ai trouvé que nous avions beaucoup d'animateurs locaux qui s'étaient mobilisés, qui avaient des questions pertinentes. Et j'étais assez fière de nos relais territoriaux, donc Nicolas Desmoulins et Georges Sarraud, notre Happiness Chief Campaign, qui sont là pour précisément s'occuper de ces animateurs locaux, de ces comités locaux, du maillage. Et leur relation était très intéressante et j'ai trouvé que la réunion avait été très riche. La prochaine jeudi à 18h30, voilà, à l'Estrembord, à la Grande Motte. J'ai des réunions donc chaque semaine.